Stéphanie Dauget, bonjour. Bonjour. Alors, c'est votre premier livre, vidéo, je vois. Vous avez un parcours spécifique et intéressant, puisque vous êtes à la fois diplômée d'une école des beaux-arts à Bourges, et vous avez aussi soutenu dans cette université même votre thèse de doctorat sur l'art vidéo. Voilà, donc vous êtes à la fois artiste, théoricienne, et je pense que ça vous a beaucoup servi du coup pour publier ce premier livre de la collection Artes aux presses universitaires de Bordeaux. Alors le titre, tout de suite, vidéo, je vois. Je voulais que le titre de cet ouvrage soit suffisamment explicite et accessible à tous et résume en fait l'aventure commune que je voulais essayer d'explorer entre l'art vidéo et l'expérience de la perception de l'œuvre d'art. Donc Vidéo Je Vois, c'est un ouvrage qui propose une immersion dans les installations vidéo contemporaines, mais avec pour singularité de se situer sur le seuil de leur visibilité, à savoir donc essayer de se positionner du côté du spectateur, à ses côtés pour explorer les œuvres. Et le récit d'expérience des œuvres d'art prend une place bien prépondérante dans ce livre. En arpentant les installations vidéo contemporaines aux côtés du spectateur, il s'agissait de chercher à comprendre comment le dispositif qui produit les images vidéo était en mesure de venir interroger le rôle du public devant l'œuvre d'art. Ce livre, c'est aussi une libre déambulation entre les genres et les époques que permet particulièrement l'art vidéo pour formuler un engagement pour une expérience émancipée du spectateur face à l'œuvre d'art ou parmi les œuvres d'art quand on parle de dispositif. Et une sorte de réhabilitation du regard contemporain parmi l'omniprésence de ces dispositifs technologiques. Alors on dit souvent que notre monde est saturé d'images, que nous vivons dans un trop-plein d'images permanents. Ce à quoi vous faites référence, c'est, bon, je suis spectateur, je vais au musée, je vais dans une galerie, et puis tout d'un coup je suis happé, je suis fasciné par un dispositif vidéo, c'est ça ? Enfin, c'est ça votre enjeu ? En fait, c'est mon contexte d'exploration, en effet. Et l'enjeu était de comprendre comment on peut encore aujourd'hui, parmi cette invasion visuelle, sans verser dans une dénonciation ou une condamnation de cette contamination du virtuel sur le réel, comment on peut encore ménager une pause salvatrice et aussi réflexive pour le regard contemporain parmi toutes ces images. Donc je me suis tournée vers des pratiques artistiques, mais aussi critiques et curatoriales, voilà, pour montrer comment tous les acteurs de l'art agissent sur cette zone dialectique en fait, entre les images et le regard, pour aider le regard à voir à nouveau, voir vraiment ces images par-delà un visuel de proximité, voilà, être capable d'aller creuser, chercher ailleurs ce qui peut se produire de singulier dans ces images sur lesquelles notre regard en général au quotidien glisse puisqu'on est habitué à évoluer parmi elles. Alors est-ce qu'on peut prendre un exemple d'expérience qui vous aurait vraiment marqué, que vous développez aussi dans le livre, une installation vidéo ou une vidéo spécifique que vous auriez envie de partager ? Notamment voilà, donc, dans Out of Ears Veterans Project, que j'ai pu voir à l'ICA de Boston. On entrait dans une pièce sombre, vide. Voilà, on s'attend en effet, on sait qu'il s'agit d'une installation vidéo. Mais quand on entre, l'ambiance est assez feutrée, on peut s'installer. Et sont perceptibles que des fenêtres, en fait, mais placées en hauteur d'une salle qui est très haute sous plafond. Et qui laisse juste entrevoir voilà, le ciel, on peut facilement croire, on s'attarde pas dessus en fait, parce qu'on peut facilement croire qu'il s'agit de l'environnement du musée tout simplement. Et donc on attend, le groupe de spectateurs voilà, s'installe, on attend qu'il se passe quelque chose. Et petit à petit en fait le récit commence, mais le récit est sonore. Donc il y a des sons de ville, des bruits urbains qui commencent à émaner tout autour de la pièce. Et puis petit à petit, les sons augmentent, des tirs éclatent, des explosions, des pleurs, des cris. Voilà. Et ça se termine sur un cri final transperçant et des pleurs qui voilà, nous laissent supposer qu'il y a eu un drame dans le contexte d'un conflit de guerre. Et les seuls stigmates visibles de cette installation
sont de ce récit sont des impacts de balles qui à un moment viennent quand même écorcher les vitres ou les murs du musée et qui nous font comprendre que les fenêtres sur lesquelles on ne s'est pas trop attardé au départ sont en fait des projections vidéo. À la fin de cette expérience, en fait, ce qu'on ressent essentiellement, ce n'est pas la sensation d'avoir assisté à une version, à avoir été mis en contact de manière réelle, directe, voire sensationnelle avec un conflit, mais plutôt d'avoir été terré dans un coin de mémoire de quelqu'un qui aurait vécu la guerre. Et voilà, et Christophe Odisco, du coup, il travaille, voilà, il s'entoure beaucoup et travaille sur les récits des vétérans, des médecins, des soldats qui ont vécu ces expériences-là et trouve ici une manière éthique, pudique, de raconter ce qui est inracontable au bout du compte. Donc il utilise en fait une version lacunaire d'un dispositif technique et esthétique qui pourrait tout montrer tout de suite. Comme on peut le constater aujourd'hui, par exemple, dans les flash infos, voilà, où on nous montre à peu près tout maintenant de la violence, il se préserve de ça et préserve le médium de ça pour réhabiliter une expérience du spectateur qui reste touché pour qui il est important d'être conscient de ce qui peut se passer dans le monde et de l'impact que ça peut avoir sur les gens, mais sans avoir à passer par une sorte de voyeurisme mal placé. Merci, Stéphanie Doget. On peut en profiter d'ailleurs pour rappeler que les autres livres de la collection Arthès sont consacrés à d'autres arts que l'art vidéo, et notamment juste le précédent « L'art à même la ville » de Marie Escorne à l'art urbain, « La carte à l'œuvre » de Julien Béziat, consacré aux cartes imaginaires, et le premier, celui de Lydie Pearl, qui était consacré à l'art de Chagall. Le point commun entre tous ces ouvrages, et je crois que le vôtre le montre aussi suffisamment, c'est la place réservée à une iconographie très riche dans un livre de théorie de l'art. Au fond, ce qui me frappe, c'est qu'on a souvent d'un côté des beaux livres, entre guillemets, où le texte est parfois un peu indigent, et puis on a de l'autre côté très souvent des textes de théorie sur l'art, mais sans souci iconographique et sans la volonté de produire aussi des images intéressantes. Donc cette collection me semble se distinguer par son souci d'allier l'aspect beau livre et l'aspect pensée sur l'art. On essaye de faire des beaux livres de pensée sur l'art. Merci encore Stéphanie Doget. Merci à vous.